Et bonsoir Pascal. Bonsoir Mohamed. On avait presque oublié à quoi ressemblait un vrai concert. Mais oui, ces images semblent être du passé. C'est presque de la préhistoire. Aujourd'hui, Mohamed, voici à quoi pourrait ressembler un concert. Vous allez voir ces images. Eh bien, elles sont tournées il y a 15 jours aux Victoires de la musique. Le public, ce n'est pas un vrai public. Ce sont des intermittents qui sont payés pour donner un peu d'ambiance. À l'époque, la ministre de la Culture n'avait pas donné son feu vert pour faire un concert test. Maintenant, c'est fait. Alors, ce concert test, en quoi consiste-t-il? Il aura lieu à l'Accor Arena, où normalement il y a 20 000 personnes dans la salle. Là, il n'y en aura que 5 000, tirés au hasard, au sort, avec évidemment différents âges. Pas de comorbidité, évidemment, mais plusieurs âges différents. Et puis, il y aura 2500 personnes aussi qui seront tirées au sort et elles qui seront à la maison. Tout le monde va faire des tests avant et après, et puis on regarde comment a circulé le virus. On espère évidemment que ça puisse donner lieu à la réouverture de salles de concert. L'expérience, parce qu'attention, tout le monde le dit, ce n'est pas un concert, c'est un test médical. Ouais, il aura lieu également à Marseille. Et le jeu en vaut la chandelle en tout cas. Il faut qu'on avance, bien entendu. Le Québec innove en matière d'art plastique, Pascal? Oui. Alors, mon cher Mohamed, vous connaissez les documentaires, vous connaissez la sculpture. Oui. Eh bien, cette jeune Québécoise qui s'appelle Karine Giboulou, elle a inventé la sculpture documentaire. Je vous propose de regarder le reportage de nos confrères de Radio-Canada. Karine Giboulou façonne de petits univers. Je me compare un petit peu à un écrivain, dans le sens que je fais des œuvres qui sont longues à faire, donc il y a beaucoup de détails, beaucoup de personnages, beaucoup d'histoires. Donc c'est comme si chaque jour j'écrivais un petit chapitre, mais en sculpture. Elle conçoit des dioramas miniatures qui nous confrontent aux enjeux de notre époque. Mais ne vous fiez pas aux apparences, les histoires qu'elle raconte n'ont rien d'enfantin. Des bidonvilles haïtiens, aux usines chinoises d'électronique, elle effectue pour chaque projet un véritable travail documentaire d'où elle fait émerger de la beauté. Moi, même dans les rencontres avec des personnes dans des conditions vraiment dramatiques, ben, il y a toujours quelque chose de beau quand même dans l'humain. Je pense que ça fait partie de ma personnalité d'aller chercher le beau quand même. Originaire de Saint-Émilie-de-l'Énergie dans la Naudière, l'artiste autodidacte a parcouru le monde pour le raconter en sculpture. Elle n'hésite pas à se rendre sur le terrain pour plonger au cœur de ses sujets. C'est comme si mon cerveau réfléchit en 3D. Moi, je vois les sculptures, c'est comme si je les vois dans ma tête. Donc, des fois, je prends des notes pour pas oublier, mais c'est comme une vision que j'ai qui s'imprègne dans ma tête. Une démarche qui a attiré l'intérêt de plusieurs musées et d'amateurs d'art. Karine se retrouve dans plusieurs institutions muséales, dont un musée aux États-Unis, le Musée des beaux-arts de Montréal, le Musée national du Québec. Plusieurs collectionneurs aussi achètent les œuvres. Karine Giboulou achève la production d'un film d'animation à propos des Rohingyas, en plus de travailler sur une série de sculptures inspirées par la pandémie. On peut voir ses œuvres à la Galerie Armure à Montréal, au Centre d'art Jacques et Michel Auger de Victoriaville. Et cet été, elle participera à l'exposition Errant sans retour, présentée au Musée national du Québec. Du micro au macro, les miniatures de Karine Giboulou nous renvoient un reflet de notre monde et racontent avec force de grandes histoires. Ici Nabil-Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal. Et on termine avec le décès de Bunny Wailer. C'était l'un des fondateurs du groupe mythique de reggae avec Bob Marley et le dernier survivant. Voilà. Une petite note, non? À peine. Allez, bon, ben on va l'écouter plus tard. Merci à vous.